Je vais te donner un moteur. Surbaisser ton châssis. Tu auras droit à un carter extra large avec un meilleur aérodynamisme. Comme ça, ça te filera 30 ou 40 chevaux supplémentaires. Et puis je vais te bichonner une carburation qui sucera 4 litres de plus. Ensuite, je te raboterai le museau d'un centimètre et je t'affinerai comme un obus. Quand tu auras les peintures de guerre et qu'on t'aura pesé, tu seras prête pour le grand circuit ovale. On se comprend. Tu seras parfaite. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La troisième, pour vous présenter, pardon, la troisième voiture qui est la Hotring Sabre D-Class. Donc voilà, c'est celle qui est derrière moi. Donc je vous montre juste, elle est sur le site souterne Saint-Andreas superauto.com. Elle est ici, voilà, D-Class Hotring Sabre. Disponible dans Ontras à Saint-Andreas à 830 000 dollars. Donc je trouve que c'est un prix plutôt raisonnable, surtout qu'on s'en sert pour des courses. Donc voilà, c'est cool parce que bon, on aurait pu s'attendre à beaucoup plus cher. Après c'est pas une voiture ouf, hein, y a pas grand chose dessus, vous allez voir. À part 2-3 choses qui sont plus nombreuses que sur d'autres voitures. Donc là voilà, je vous la montre en grand. Bon, la plupart vous avez peut-être déjà pu la voir sur mes lives ou même par vous-même la tester. Donc voilà, c'est une voiture de NASCAR, hein. Je la trouve super jolie. Comme je vous ai dit dans ma première vidéo où je vous ai présenté tous les véhicules, voilà, elle me fait vachement penser aux voitures présentes dans le film Jour de tonnerre avec Tom Cruise. C'est exactement la même, quoi. Donc faut savoir que maintenant, dans les nouvelles courses de NASCAR, il y a vachement plus de modèles là, au niveau carrosserie et tout, il y a vachement plus de modèles. Avant ils étaient tous pareils comme là, comme celle-là, ils étaient tous identiques. Maintenant ça change, il y a beaucoup de modèles. Je vous mettrai en fond quelques photos, je pense, pendant le montage. Et on peut espérer, pourquoi pas, d'autres modèles de NASCAR avec exactement les mêmes caractéristiques sur les vitesses et tout ça, pour pas que ça soit triché, vous voyez. Vraiment, par rapport à la piste, on est tous les mêmes caractéristiques, mais avec d'autres modèles différents. Ça pourrait être sympa, s'ils y pensent à des ajouts. On va vous montrer un peu l'intérieur. Un peu le bruit. Donc voilà, on va aller se la faire tranquillement. Putain, lui elle tombe. Allez hop, on rentre au garage. Bon, tout ce qui est blindage et tout, je le mets pas, hein, parce que bon, je l'avais monté par contre. J'avais monté à fond pour faire les courses en online. Éclairage. Alors franchement, mettre des néons là-dessus, ouais, je sais pas. Donc voilà, alors là on a les motifs, on a 31 motifs. Alors je vous explique, il faut faire, il y a au bout d'un certain motif, je pense que c'est à la moitié à peu près, ou peut-être un peu après, il faut faire un certain nombre de courses pour pouvoir avoir ces motifs. Donc des courses NASCAR, des courses spécialisées. De toute façon, je pense que à la fin, on ira la tester sur... Je vous mettrai une petite vidéo à la fin où je vous montre en pleine course ce que ça donne avec la voiture faite, quoi. Donc voilà, donc je vous montre un peu tous les vinyles. Comme ça vous les verrez. Moi je trouve que c'est vachement original de la part de Rockstar.
Et c'est très bien pensé, d'ailleurs je vous parlerai d'un projet que j'ai prévu de faire et qui sera essayé dès samedi soir. Par contre il sera pas sur ma chaîne, mais sur la chaîne de Jameni. Vous comprendrez pourquoi si vous allez sur sa chaîne ou même sur sa page Facebook ou Twitter. Voilà. Donc je vais faire un test et je vous en parle en fin de vidéo. Voilà, on a celui-là aussi qui est pas mal du tout. Ah, franchement, ils sont jolis. Hein. Après, on peut changer la couleur et tout, principal, donc voilà, c'est assez sympa. Voilà, puis franchement, elles ont de la gueule, les voitures. Gasoline. Moi, mon préféré, vous allez voir lequel c'est. Après voilà, j'hésite, bon, de toute façon je pense peut-être que j'essaierai plusieurs couleurs, plusieurs motifs. Vraiment voilà, c'est vraiment joli avec les dégradés, vous voyez, c'est vraiment, je trouve ça vraiment top. Serious Cougar, Shot, 45 donc ça moi c'est mon préféré, honnêtement je l'adore celui-là. Je sais pas pourquoi mais il me fait beaucoup penser à une voiture qu'il y a dans justement Jour de Tonnerre. Une des voitures que conduit Tom Cruise, elle est verte et jaune. Et pareil, elle est un peu coupée comme ça, c'est-à-dire qu'elle est jaune d'un côté et verte de l'autre, et franchement, c'est magnifique. Et je crois, je sais pas si c'est pas le numéro 45 d'ailleurs qu'il a. Faudrait que je vérifie ça. Mais voilà. Franchement, celui-là, c'est mon préféré. C'est celui-là que je prendrais pour l'instant, peut-être que je changerai après plus tard. Après, vous êtes pas obligé, vous pouvez garder comme ça et juste faire votre couleur, hein, voilà. Donc moi je vais prendre ce motif à 35 000 $, ça fait un peu mal au cul quand même, on va pas se mentir. Bon, sur le père de vol, bon ça c'est bon, peinture. Donc voilà, on a les couleurs principales. Non, il y a même couleur secondaire, mais je pense que ça arrive à l'intérieur ça. Alors, métallisé, allez on va voir un peu. Moi je pense qu'honnêtement je vais la mettre en jaune ou en rouge, je ne sais pas encore, on va voir ce qui ressort le mieux. Vraiment, franchement, le vert et le jaune, c'est un super bon ensemble. Pourtant, je suis pas un grand fan de la couleur verte, mais sur cette voiture, ça va bien. Le nocturne, c'est pas mal aussi. Moi, ouais, je vous montre un peu les couleurs, comme ça vous voyez en même temps ce que ça donne un peu. Ah, c'est sympa aussi hein, en bleu ultra comme ça. Ouais, c'est pas mal. Oh, violet, c'est pas dégueu aussi. Hein. Ah ouais. Pas dégueu aussi, crème. Blanc, non. Non, je suis pas trop fan du blanc. Jaune pâle. Ah oui, mais il y a encore des trucs que j'ai pas débloqué. Ouais. Verlime, jaune pâle. Ouais, on va prendre celui-là. Hop, jaune racine. Oh, on peut mettre un nacré. Mettre le nacré, on va voir ce que c'est que ce couleur secondaire. Je pense que c'est le tout ce qui est tubulure et tout. Ouais, c'est ça. Ouais, ça se voit moins, j'aime bien. Emblème de fond. Ah, mais je vais le mettre. Je vais le mettre même si j'aimerais changer. Donc voilà, je le répète, j'avais déjà dit dans une vidéo. Je crois que c'était pour la MTT. S'il y a quelqu'un qui sait comment faire pour avoir des logos beaucoup plus jolis et fait, on va dire, maison, enfin, fait soi-même, pour pouvoir les mettre en emblème de crew, n'hésitez pas à me contacter hein, en commentaire ou même en privé sur Facebook ou Twitter. Vous avez mes chaînes, mes pages Facebook et Twitter dans l'onglet à propos sur YouTube. On va le mettre. Voilà. Suspension, je sais pas si. Bon, je vais la laisser comme ça. Transmission, je l'avais mis. Turbo, je l'ai mis aussi. Roue. Bon, alors roue, on va rester dans le NASCAR. Quand même.
Ah, j'aime bien celle-là. Le cracas. Ou alors la duck. Ouais, la duck, je trouve que c'est mieux quand même. Allez, duck. J'aurais pu mettre jante chromée, mais bon. Couleur de jante. Ah, quelle couleur on pourrait mettre? Est-ce qu'on les met jaune ou vert? Jaune canari. Ah non, je vais le mettre en noir. Je vais le mettre en noir, c'est mieux. Hop. Voilà, pneus, apparence des pneus. Pneus custom. Ouh, ça pète. Pneus, ça fout. C'est pas important. Ça, j'ai un peu mis. Et puis, bah voilà, on a fini. Hein. Voilà la bête. Ah, franchement, ça a de la gueule. J'adore, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas à me dire ce que vous pensez de cette voiture. Donc en fait, c'est tout simple. J'ai créé une série. Il y a 10 courses qui ont été rajoutées, 10 courses de NASCAR. Et j'aimerais en fait créer un championnat. Donc il y a 30 places. Il reste encore beaucoup beaucoup de place pour d'autres joueurs qui aimeraient rejoindre la compétition et le championnat. Donc c'est un championnat qui se disputera, je pense, une fois toutes les deux semaines, le samedi. Et donc on va faire un premier essai ce samedi soir, en plein live. Je serai sur la chaîne Adjamini, on fera les essais, parce que bon, du coup j'avais prévu de le faire sur ma chaîne, mais vu qu'il faut que je fasse quelques lives avec la chaîne Adjam, je le ferai sur la chaîne Adjamini. Comme ça, s'il y en a qui me connaissent pas et peut-être qui verront, ça les intéressera de venir nous rejoindre. Et donc en fait, ce qui n'est pas compliqué, c'est qu'en attendant tout le monde, eh ben, on fera un espèce de petit raseau avant qu'on commence le championnat. On viendra tous avec notre voiture, donc avec celle-ci. Il faut absolument que vous ayez cette voiture et que vous l'ayez montée, un minimum, pour faire les courses, parce que ça sera des courses avec les voitures custom. Donc il faut absolument que vous l'ayez mis custom pour pouvoir faire les courses avec nous. Donc voilà, j'espère que ce projet vous intéressera. Je vous en reparle parce que bon, j'aimerais bien qu'il marche. Surtout qu'il y a moyen, Rockstar nous a ajouté ses courses et ses trucs et ses voitures, donc il y a vraiment moyen de faire des belles courses et de faire des superbes montages avec ça et des superbes lives. Donc voilà, j'attends votre avis là-dessus, et si vous voulez participer, il suffit juste de me le dire en commentaire ou de venir le soir du live et me dire est-ce que je peux rejoindre. Juste une précision, je veux des mecs sérieux. C'est-à-dire qu'au niveau de la conduite, sérieux quoi. C'est-à-dire je veux pas un mec qui rentre dans n'importe qui ou à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'il y a un virage, au lieu de tourner, il va te rentrer dedans pour te faire partir en tête à queue de l'autre côté de la route. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux des pilotes sérieux, on peut déconner, ça peut arriver qu'on se touche, comme vous pouvez le voir sur un de mes lives que j'ai fait il y a 3-4 jours. Voilà, mais on était 8 et il y a rarement eu des chocs, à part avec deux pilotes qu'on connaissait pas. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous intéressera et que cette vidéo vous a plu, cette présentation de cette NASCAR que j'adore, cette sabre est vraiment magnifique. Voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve ce samedi soir, sur la chaîne de Jamini pour tester cette compétition. Ciao les mecs. N'hésitez pas à rejoindre ce crew si vous voulez rejoindre plus facilement les parties pour le championnat. Merci à tous. Ciao. Oh, mais regarde moi. Mais crétin des Alpes d'abruti, ta race d'enfoiré de ta mère. Le mec, comme il enchaîne les insultes, c'est un truc de ouf quoi. Allez, vas-y, je vais faire un tour dans l'eau. Voilà. C'est un truc de dingue. Ouh. Et le pire, c'est que t'es plus t'es derrière et plus t'es des abrutis. Ah ouais, j'ai mis un petit coup de frein juste avant. Ouais.
Oh, ils ont pas eu de bol. Il y a un enculé qui se met en travers. Oh, comme ça cartonne.